Accueillons milieu de nous. We welcome you in our midst. Et Dieu, nous t'acclamons, nous t'accueillons. Milieu de nous. We welcome you in our midst. Et Dieu. Voilà, bonjour et bienvenue à notre direct de ce matin. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. Le Seigneur a une parole personnelle pour toi ce matin, pour ta famille. S'il te plaît, partage cette vidéo et mets le Seigneur de la sorte à l'épreuve. Pendant que nous restons dans l'adoration et nous attendons nos bien-aimés, nous allons passer un moment extraordinaire, une parole prophétique pour toi et pour ta maison. Bienvenue à Chanel Sina, Aimé Godouet, Kwasala. Bonjour à David Fadi Beldena. Bonjour à Kamto Brunel. Bienvenue à Freddy. Bienvenue à Esther Kedi, François Sawadogo. Ça c'est Burkina Faso certainement. Bienvenue à Reine des Abeilles. Ah, ça c'est un nom terrible. Razia Bibi, que Dieu vous bénisse. Meki Romeki, que le Seigneur vous bénisse. Magui Totou, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Bienvenue à Maylis. Bonjour. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Tu veux une consultation prophétique, connais la pensée de Dieu pour ta vie en cette fin d'année et pour le reste de ta vie dans tous les cas. Quel que soit le domaine, on va en parler tout à l'heure. Gloire à Jésus.
Voilà, l'adoration en langue, c'est quelque chose d'extraordinaire, une très grande richesse. Bien-aimé, très content de vous retrouver encore ce matin pour ce moment de partage, de prière, d'orientation prophétique. Vous savez, si, prions d'abord, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour mes bien-aimés, merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Seigneur, je prie qu'une parole soit mise dans ma bouche pour chacun d'eux. Tu as suscité les prophètes, c'est pas pour rien. Seigneur, c'est pour orienter ton peuple vers la bonne direction. Je prie pour quelqu'un qui attend une orientation personnelle de Dieu, quelqu'un qui a soif d'entendre Dieu lui parler, quelqu'un qui croit au ministère prophétique et qui croit, Seigneur, que nous sommes ton porte-parole. Zamitawa inna grespera biasmaniana ela venas balkemadekawa annas marosa. Père, merci parce que tu parles à chacun. Tu parles à chacun. Je m'humilie devant toi, Seigneur, comme un instrument inutile et je prie que tu me donnes une utilité dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur Jésus, je me prosterne devant toi. Je me mets à genoux devant ton trône et je prie, je plaide pour ta grâce dans la vie de mes bien-aimés. Je prie que ta main soit posée dans ma vie, que mes yeux soient ouverts, mes oreilles ouvertes et ma bouche ouinte pour proclamer tes oracles dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Père, je prie pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur, tous ceux qui ont soif d'une parole de Dieu, désaltère notre soif ce matin. Seigneur, que ce soit des moments intenses, des moments puissants où les forteresses seront renversées dans nos vies. Seigneur, ceux qui sont esclaves du péché, esclaves de la sorcellerie, bloqués à gauche, à droite, devant, derrière. Père, je demande leur délivrance au nom précieux de Jésus. Seigneur, une seule parole peut apporter le salut dans nos vies ce matin. Place cette parole dans ma bouche pour leur vie et pour ma propre vie. Et que 2022 soit une année de gloire. Seigneur, nous ne voulons plus de déception, ni de blessures, ni de pleurs, ni de blocages dans nos vies en 2022. Nous voulons plus les erreurs qui ont accompagné nos vies en les mildiant et en les saboulant depuis notre naissance. Seigneur, mets fin à la dévastation dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Glorifie ton Seigneur ce matin. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Connectons-nous massivement, partageons la vidéo. Voilà, vous savez, bien-aimés, avant d'entrer dans la page prophétique, il y a une sœur que j'ai vue pendant que j'étais à genoux. On vous appelle Colette. 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 Vous êtes en train de me regarder. Et vous habitez avec votre. C'est comme votre mari, hein, que vous appelez Monsieur Henri. Vous avez abandonné votre foyer. Vous avez quitté le foyer. Alors, je parle, vous me regardez. Vous n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Donc, la parole de l'Éternel m'a été adressée pour vous pendant que j'étais à genoux. Colette, écrivez-moi directement. Vous êtes avec Henri, vous êtes séparés. Vous avez quitté votre maison et vous êtes actuellement seul, loin de Henri. Donc, la parole de l'Éternel m'est adressée pour vous. La décision que vous avez prise n'est pas la bonne décision. Votre mari a eu de très sales comportements, mais le Seigneur vous a envoyé auprès de lui pour une mission, pour le ramener à lui. Parce qu'en fait, votre mari, c'est un serviteur de Dieu. Et la mission pour laquelle Dieu vous a mis à côté de lui vous demande beaucoup de patience. Donc en quittant cette maison-là, vous avez agi mal et vous le savez bien parce que le Seigneur, dans votre esprit, vous en a parlé. Donc voilà, que Dieu vous bénisse au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, ceux qui ont reçu le témoignage, les prophéties hier peuvent rendre témoignage. J'ai lu le témoignage, mais dans ce direct, dans le direct d'hier, dans ce direct, vous pouvez encore nous réécrire vos témoignages pour qu'on puisse lire les commentaires. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il faut dire que ce vendredi, nous avons atmosphère de miracle à Yaoundé. Ça sera très fort. Donc, tous les habitants de Yaoundé sont invités. Tous les habitants de Yaoundé, ses environs, sont invités tout à l'heure à partir de 16 heures à la Bire. Donc, j'aurai un grand service de délivrance et de restauration dans ta vie, dans ta famille. Viens avec toute ta famille parce que les enfants sont déjà en vacances. D'autres prennent leurs vacances aujourd'hui. Donc ne manquez pas ce soir, par la grâce de Dieu. Je sais que le Seigneur interviendra et il bénira ta maison. Donc s'il te plaît, ne dis pas non, c'est loin. Oh non, dépense l'argent pour ton salut. C'est important. Dépense l'argent pour ton salut. Et les habitants de Berthois, dimanche, après le culte de 7h30 à Yaoundé, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons à Berthois ce dimanche à partir de 16h à Ndobo. C'est Ndobo. Beaumont. À Beaumont, plutôt. Seigneur, merci parce que tu es vivant. À Beaumont,
Donc la main de Dieu sera dans ta vie. Toi et ta famille, ne manquez pas. Chacun vient avec sa bouteille d'huile de faveur neuve. Nous allons prier pour la délivrance et la restauration de nos familles. Donc ce sera un culte de plainte à l'Éternel, le format où on sera à votre disposition, les stylos où on aussi. Chacun va écrire ce qu'il veut que Dieu fasse dans sa vie. Ta lettre sera envoyée vers le ciel. Ça veut dire que c'est ta prière que tu mets sur un papier. Nous allons prier. Je mettrai à genoux là-dessus. Et à 7h30, ce sera un grand culte de délivrance familiale le matin à Yaoundé, par la grâce de Dieu. Donc cette semaine est une semaine bénie. Ce week-end sera un week-end très chargé en grâce, en bénédiction, en restauration. Beaucoup de personnes seront élevées. Je vous dis la vérité, Dieu va bénir beaucoup de personnes. Comme pendant cette direct, le Seigneur bénit plusieurs personnes. Donc tout à l'heure, tous les habitants de Yaoundé, Obala, Mbalmayo, etc., déplacez-vous, s'il vous plaît. À partir de 16h, on se retrouve à la bière. Tout à l'heure, Dieu va se manifester. Et ça, si je te le dis, c'est que c'est sérieux. Et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il faut comprendre que nous avons commencé un travail. Nous avons commencé un travail et nous allons achever ce travail dans le nom précieux de Jésus. Dieu nous aidera. Nous sommes en train de parler, comme on a commencé hier, nous avons parlé des malédictions. Hier, je vous ai enseigné sur les alliances, les pactes sataniques et les alliances diaboliques. Et j'ai parlé des alliances diaboliques. Je vais résumer rapidement pour ceux qui viennent d'être connectés aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes, leurs vies sont bloquées. Et nous sommes en train d'essayer de déblayer le chemin devant ta vie, devant ta destinée. Pas seulement pour 2022, mais pour le restant de ta vie sur terre. Ça sert à quoi de vivre sans vraiment être heureux? Donc il faut que tu retrouves ton bonheur, que tu retrouves les voies droites que le Seigneur a frayées pour toi. Regarde ta famille. Quelle image a ta famille aujourd'hui, dans ton village, dans ton quartier? Les enfants de ton père, les enfants de ta mère, que sont-ils devenus? On doit se poser cette question. Et parce que la vie, on vit une seule fois, mes amis. Après la vie, si c'est la mort, tu ne reviendras plus jamais. Donc si tu rates ça maintenant, là, tu ne peux plus te rattraper. C'est fini. Après la mort, là, c'est fini. Tu pars et c'est perdu. Tu comprends? Donc ici, c'est le moment pour toi de prendre la bonne décision. Et moi, ma prière, c'est que tu ne choues pas en tant que femme, en tant qu'homme. C'est que tu connaisses le bonheur. Et il n'y a pas de bonheur si l'homme fort de ta vie n'a pas été renversé. Regarde dans ta famille. Commence à énumérer. Fais une liste de malédictions. Avant dimanche, fais une liste de malédictions qui sont en train de régner dans ta famille. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, pendant l'émission d'hier, au commentaire, dans les commentaires, que dans sa famille, c'est le cancer. Ça veut dire que depuis ses ancêtres jusqu'à aujourd'hui, les gens sont décimés par le cancer. Nous disons qu'à partir de ce moment-là, mes amis, c'est un hôtel maléfique. Et les hôtels maléfiques sont créés par des alliances ou des pactes diaboliques ou maléfiques. Il n'y a pas d'hôtel maléfique dans une famille s'il n'y a pas eu des alliances maléfiques ou diaboliques ou bien des pactes diaboliques. Et j'ai essayé d'expliquer hier. Je vous ai expliqué que nous avons ce qu'on appelle les alliances héritées ou bien les alliances parentales. C'est-à-dire parce que tu es né dans une famille où les gens ne se marient pas automatiquement, toi aussi tu es dans le lot, dans le même panier, et le mariage devient compliqué. Pourquoi? Parce que c'est l'autel de votre famille. Et j'ai dit qu'avant d'accuser les sorciers, il faut que chacun comprenne que la plupart du temps, ça veut dire que 70% du temps, à 80% du temps, les sorciers n'ont rien à voir dans nos malheurs. C'est nous-mêmes, c'est nos alliances, c'est nos marches, où tu es entré, où tu as marché. Et j'ai expliqué hier que quand vous avez une famille où personne ne se marie, personne ne réussit, c'est-à-dire que ce n'est que des cancres, c'est des loubards, des zinzins, des hircons. Vous êtes un sujet de moquerie. Votre père n'a pas eu un avenir, votre mère n'a pas eu d'avenir, vous-même, vous n'avez pas d'avenir. Et vous voyez que vos enfants sont en train de suivre le même chemin, la même malédiction. Avant d'accuser les sorciers, il faut que vous soyez conscient d'une chose. Regardez à votre vie passée, ou bien à votre pas contracter des alliances maléfiques par vos péchés, parce qu'il faut comprendre cela. C'est ça la vérité. Nous accusons parfois les sorciers. Je vous dis la vérité, ils sont innocents. Parfois on accuse les démons, mais ils sont innocents. Tu vas te poser la question, pourquoi les femmes ne se marient pas? Est-ce que Dieu est injuste? Non, c'est qu'il y a les sorciers. On a dit qu'il y avait telle tante qui est sorcière. On a dit telle tante est sorcière, telle tante est montée, ou bien tel oncle est monté, descendu. Non, ce n'est pas ça en réalité. La première question qu'il faut se poser, est-ce que dans ma famille, c'est là, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes cousines, ils ont marché comment? Supposons donc qu'il y ait parmi vous qu'on a lavé chez les marabouts. D'autres qui sont allés consulter les sorciers, tu sais que ce qu'on t'a donné à manger là, ça venait d'où? Tu sais qu'on a fait quoi sur ça? J'ai raconté une histoire à quelqu'un
quand j'étais à la vraie église, pour ceux qui sont à la vraie église peuvent témoigner de cette histoire-ci. C'est une maman, une sœur, avant qu'elle ne cherche le Seigneur Jésus, qu'elle ne rencontre le Seigneur Jésus, vous voyez. Donc elle voulait l'enfant, elle cherchait un enfant. Et elle allait chez un marabout. Et le marabout a fait des remèdes sur elle et lui a dit, va, tu seras enceinte. Elle est tombée enceinte. Le marabout lui a dit, quand tu accouches, tu viens avec l'enfant. Et quand l'enfant est venu, quand elle a accouché, il a fait des incantations sur l'enfant et il a mis un talisman au cou de l'enfant et il a dit à la femme de ne jamais enlever cela. De ne jamais enlever cela. Donc, et c'est comme ça. L'enfant était toujours mourant, maladif. Finalement, elle a donné sa vie au Seigneur Jésus pendant l'une des campagnes à la vraie église. Lorsqu'elle vient donc, on se rend compte que l'enfant, elle dit, l'enfant est mourant, toujours maladif. L'enfant, depuis qu'il n'est jamais en santé. Et le pasteur lui demande que c'est quoi sur le cou de l'enfant. Elle dit que c'est le talisman. Ça vient d'où? Ça vient des marabouts. Elle dit oui, justement, elle cherchait l'enfant, elle est allée chez un marabout. Et c'est le marabout qui a fait les remèdes, a fait des incantations et a invoqué des esprits. Ce sont des esprits de démons, en réalité. Donc, il a invoqué des esprits de démons et ces esprits-là lui ont donné l'enfant. Et le marabout lui a dit, bien-aimé, nous devons atteindre 400 vues au moins aujourd'hui, là, plus de 400 même, tout à l'heure. Donc partage la vidéo au maximum. Je te parle d'abord pour prier, pour que tu sois délivré de ces hôtels-là. Après cela, tu auras l'orientation divine. Parce que ça ne sert à rien de recevoir la parole de Dieu si l'enfant de ta vie n'est pas tombé, mes amis. Tu ne peux pas réussir, c'est ça le message en fait. Tu ne peux pas t'en sortir tant que l'enfant de ta vie n'a pas été vaincu. Et d'ailleurs, ce sont ces secrets qu'on vous donne. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais tu dois d'abord connaître la vérité, mon ami, avant de recevoir ta prophétie. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc finalement? Quand on va, le pasteur va dire qu'on retire le talisman et il va dire qu'on ouvre ce talisman. On va ouvrir le talisman et qu'est-ce qu'on va trouver écrit? Parce que c'était un truc emballé avec le fil noir. Qu'est-ce qu'on a découvert à l'intérieur? Satan, je te consacre cet enfant, toute sa vie, son âme, je te la consacre. Voilà ce qui est écrit dans le talisman. Et dès qu'on a enlevé, on a prié pour l'enfant, cet enfant ne peut jamais tomber malade et puis l'enfant a grandi comme ça et aujourd'hui c'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez que et avant de dire que non, les gens se marient parce que c'est les sorciers, non. Toi-même, dans tes marches, tu es entré où? Tu es allé jusqu'où? Il y en a qui ont couché avec le marabout. Tu arrives chez un marabout. Il te dit que la condition, c'est de coucher avec moi. Ou je dois te laver. Il te lave. Et j'ai expliqué tout ça hier. Je vous ai montré l'impact que cela peut avoir. Ou certaines personnes qui ont contracté des alliances de sang. Tu as bu le sang de quelqu'un, tu as mêlé ton sang à quelqu'un. C'est des choses dangereuses. Et on a parlé des alliances sexuelles. Ben, on a parlé des alliances sexuelles et on a dit qu'il y a des personnes maléfiques, des sorciers qui volent les étoiles des gens. Ça s'appelle il y a des gens qui ont couché avec des mamies Wata. C'est une réalité. Ma grand-mère nous a raconté une histoire. À l'époque, ils étaient à Douala, avant la naissance de ma mère. Mais elle dit qu'à l'époque, là, l'histoire des mamies Wata chauffait beaucoup à Douala. Et donc, ils sont allés dans un bar où c'était une boîte de nuit et ils dansaient là-bas. Et il y a des blancs qui sont entrés, très beaux, des blancs comme ça. Elle dit, la grand-mère, feu, ma grand-mère explique donc que parmi ces blancs, donc, il y a les deux blancs se sont mis à les draguer, elle et son amie. Mais ma grand-mère, feu, ma grand-mère dit non, moi je ne peux pas, je ne veux pas. Mais son amie a dit, tu vois la beauté là, et elle a accepté. Et ma grand-mère dit que quelques jours après, on n'a pas vu son amie. C'est-à-dire le lendemain, on n'a pas trouvé son amie, on a fouillé pendant peut-être 3 jours. On est allé la retrouver dans un cimetière debout, morte. Debout, comme une statue. Elle était partie et elle dit c'était un mamie Wata. Vous voyez. Donc, il y a des gens avec qui vous couchez. C'est des esprits venus en chair. La personne boit ta vie pour toujours. Ton âme est vendue au diable. Tu ne peux plus réussir. Sauf si tu as la grâce de donner ta vie à Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ pour te sauver. Donc, parmi les hommes avec qui tu as couché, parmi les femmes avec qui tu as couché, tu sais que tu as couché avec qui? Qui était cet homme? C'est ça le problème. On nous a rendu témoignage à l'église, un jeune homme. Et les gens, retrouvez-moi aussi le témoignage, là, s'il vous plaît, pour dimanche. Je veux qu'on joue ça. J'ai déjà donné un élément hier. Ce jeune homme, c'est au palais de congrès. Il dit qu'il a rencontré une jeune femme. Et lui, il a amené la fille chez lui. Et ils ont couché ensemble. Et le matin, il se réveille, la fille est en train de le regarder comme ça. Et il sursaute. Et il lui demande, mais attends, pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? La fille lui dit que tu as ta chance. Si ce n'était pas ton chat, si, je t'aurais mangé la nuit-ci. Il dit, pardon. Elle dit, oui, je t'aurais mangé cette nuit. Voyez. Donc, il ne savait pas qu'il couchait avec une sorcière. Et j'ai prié pour une famille, pour ceux qui se souviennent, à Doulos FM. La famille est venue à la radio. C'était une grande sœur, deux grands sœurs, leur petite sœur, leur cadette.
Elles ont hébergé leur cadette chez eux. Elles ont pris la cadette chez eux. Elles l'ont hébergée dans leur maison. Et la cadette vient donc témoigner qu'en fait, c'est elle qui a fait que sa grand-sœur, elle est probablement avec son mari. Et elle explique que sa deuxième grand-sœur, elle, on a bloqué sa vie, on a jeté sa vie dans une bouteille, on a mis dans la bouteille, on a fermé la bouteille, et on a jeté ça dans un puits. Vous comprenez? Et ces grands-sœurs se sont mises à pleurer. Et c'est où elle nous révèle que leur voisin, qui est taximan, qui est mort il y avait 3 jours, c'est elle qui l'a tué parce qu'elle a couché avec lui. Quand elle couche avec un homme, l'homme meurt. Elle vend ton âme au diable. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là montrent que les pactes sexuels sont une réalité. Donc, tu ne sais pas avec qui tu allais coucher. Tu ne sais pas avec qui tu allais te mélanger. Et j'ai expliqué hier, la Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps avec elle. Parce que en fait, tu te mélanges, vous changez d'esprit, vos esprits se mêlent. Donc, supposons que tu avais une belle étoile et tu couches avec un agent du diable, alors ton étoile va s'éteindre. Et c'est ça que beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Ce sont leurs marches, ce sont leurs péchés-là, ces actes qu'ils ont posés qui les bloquent aujourd'hui. Ils ont mis ça sur les sorciers. En réalité, les sorciers ne sont pour rien dans la plupart de nos affaires, de nos problèmes. Donc, tu dois d'abord faire un examen de conscience toi-même. Où est-ce que je suis allé? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon passé, dans ma vie de désordre? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu dois comprendre cela. Et nous avons vu hier que pour être délivré d'une alliance sexuelle ou une alliance maléfique, il faut la confession. Je reviendrai encore là-dessus. Je vous donnerai l'arme fatale pour détruire cela. Mais ce matin, je voudrais vous parler des alliances parentales héritées. On a parlé des alliances héritées, des pactes hérités. Et j'ai dit qu'il n'y a pas d'hôtel dans une famille sans alliance. Quand un hôtel entre dans une famille, c'est qu'il y a quelqu'un, un membre de ta famille qui est allé quelque part. À chaque fois que tu pars chez un marabout, prenons un exemple. Tu es un parent, tu pars avec ton enfant chez le marabout. Vous comprenez? Tu vas chez le marabout avec ton enfant. Tu as vendu ta vie et tu as vendu la vie de ton enfant. C'est ça la vérité. Ce qui a été fait là, sur toi et sur ton enfant. Et parfois, il y a des parents qui sont tellement bêtes que tu pars avec ta fille chez un marabout. Et le marabout te dit, laisse-moi ta fille, je vais travailler sur elle. Toi, pars, tu reviens demain. Bête comme tu es, tu laisses. Et le gars abuse de ton enfant. Et c'est ça la réalité. Donc, nous devons faire attention. Devons examiner nos vies. Maintenant, nous voulons parler des pactes hérités. Et j'ai donné un exemple simple. J'ai dit que les hôtels de la vie de ton père ou de ta mère peuvent t'influencer. Ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, ça peut t'influencer s'il n'y a pas Christ. Et je vais te prouver ça bibliquement et après on va prier. On va briser toutes ces choses-là. Donc, bien aimé, nous souffrons, surtout nous les Africains. Surtout nous les Bantous, je vous dis la vérité, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous marchons. Si tu n'as pas marché, tes parents ont marché, tu ne sais pas où tes parents sont partis. Vous comprenez? Donc, j'ai donné l'exemple d'Adam et Ève. Lorsque vous regardez Adam et Ève, mon ami, j'ai quoi avoir dedans? J'ai fait quoi à qui? J'ai fait quoi à qui? Adam et Ève sont allés faire un pacte et une alliance avec le diable contre Dieu. Ils ont mangé le fruit défendu que le Seigneur leur avait interdit de manger. Le diable leur a dit, mangez ça. Hein? Dieu sait qu'en faisant cela, vas-y, telle chose. Et ils sont acceptés et c'était un pacte, c'était une alliance, mes amis. Et du coup, cette alliance a apporté la mort précoce dans l'humanité, la séparation d'avec Dieu. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ça fait que nous tous qui sommes issus d'Adam et Ève, nous sommes nés loin de notre jardin d'Éden. Est-ce que c'est moi qui ai mangé le fruit défendu? Mais la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché comment? À travers nos pères. Donc nous avons hérité de leur désobéissance, de la conséquence de leur désobéissance. Ce n'est pas toi qui as mangé le fruit défendu. Ce n'est pas moi qui ai mangé le fruit défendu. Mais pourquoi il faut que les hommes croient maintenant au Seigneur Jésus pour être reconduits dans le jardin d'Éden qui est la nouvelle Jérusalem? C'est parce que nos pères ont péché. Ce n'était pas nous. Donc, il faut comprendre, les parents, nous avons une lourde responsabilité. Lorsque tu vis ta vie n'importe comment, sans penser à tes enfants, à leur avenir, tu dois savoir que la vie que tu mènes peut avoir des répercussions positives ou négatives sur tes enfants. Donc, un parent responsable doit faire attention à la manière dont il vit. Ne vis pas comme si tu étais seul, comme si tu n'avais pas d'enfant. Tu dois toujours te poser la question, est-ce que ma vie ici ne va pas bloquer mon enfant demain? Est-ce que mon enfant ne payera pas le prix cher de mes erreurs et de mes péchés aujourd'hui? Donc avant de poser un acte, c'est important, c'est très important, bien aimé, de te demander, est-ce que ma vie
sera un bon héritage ou un mauvais héritage pour mon enfant. La plupart d'entre nous, comme ça, nous souffrons à cause des pactes hérités, à des hôtels hérités, à cause des pactes que nos parents ont fait. Hein? Des parents ont fait des choses extraordinaires, des choses terribles. Et à cause de ça, toute la famille est dans les problèmes aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord détruire. C'est ces hôtels qu'il faut détruire. Donc, avant de lire le passage biblique, laisse-moi te donner un autre exemple biblique. J'étais parlé d'Adam et Ève. Lorsque vous regardez, par exemple, dans l'histoire de Gédéon, la Bible dit que Gédéon, tout Israël était sous l'esclavage des Madianites. Vous voyez donc. Ça veut dire que lorsque Israël semait, à la saison de la moisson, les Madianites venaient moissonner. Mais mes amis, c'est trop fort. C'est un symbole très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des familles où, à cause des hôtels et des alliances contractées avec Satan, tu travailles, ce n'est pas que tu es paresseux. Dans ta famille, les gens travaillent. Mais quand il faut moissonner, quand ils vont manger, c'est l'ennemi qui vient manger. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te dire, parler de la malédiction, de la moisson, de la semaille et de la moisson. Laisse-moi te parler de cette malédiction. Je m'assois un peu comme ça. Vous voyez, bien-aimé, il y a des personnes qui travaillent dur, mais qui, à l'heure de manger, ne mangent pas le labeur de leur travail. Or, la Bible dit dans Ésaïe, je pense Ésaïe 3, verset 10, ou 8, 10, « Dites que le juste prospérera, qui jouira du fruit de son travail. » Donc, c'est normal que quand tu sèmes, tu moissonnes. Mais pas que tu sèmes, tu souffres pour semer. Là où il faut manger pour régner, c'est quelqu'un d'autre. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a des familles où les hommes ont de grandes idées. Tu as de grandes idées, de grands projets. Tu donnes tes projets, tu émets tes projets, tu émets tes idées. Et pendant que les idées sont en train de fleurir, à l'heure où tu vas devenir millionnaire ou bien milliardaire, quelqu'un d'autre vient à ta place et il le prend. Et ça, c'est aussi d'autant vrai qu'on peut le retrouver en ce qui concerne la vie sentimentale. Vous voyez, il y a des... Tu peux être... Prenons l'exemple d'une femme qui rencontre un homme qui n'a rien. Le monsieur, le gars n'a rien. Tu l'as croisé, il n'avait rien. Tu t'es battu à ses côtés. C'est toi-même qui le nourrissais. Maintenant, quand le gars est riche, le temps où la richesse vient, toi aussi, tes souffrances vont finir. Ou toi aussi, comme le SDF avait dit, sauf Adam finish. Jusqu'à aujourd'hui, le sauf Adam n'a pas fini. Donc, à l'heure où il faut que tu règnes, le gars t'abandonne pour aller prendre une qui ne l'avait assisté en rien. Parfois même, il va prendre son ex qu'il avait même rejeté dans sa pauvreté, dans sa galère. Et toi qui t'es sacrifié, qui a consacré toute ta vie, qui t'es détourné de tout, qui a accepté le moquerie de ta famille, le rejet dans ta famille, il t'abandonne pour aller prendre une qui n'a participé ni de près ni de loin à ce qu'il est aujourd'hui. Le gars construit de belles maisons, il a de belles voitures et c'est cette ingrate-là qui vient rouler à ta place. Ouais. Donc, il faut comprendre que ces choses-là sont réelles. La Bible dit que tout Israël souffrait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le père de Gédéon avait fait une alliance avec Baal. Il avait fait une alliance avec Baal et il avait bâti un hôtel. Dans sa chambre, il y avait une antichambre où il faisait des sacrifices. Et c'est à cause de ça que Madian a vaincu Israël parce qu'il y avait l'interdit. Donc, tout un pays a été vendu au diable à cause du péché d'un seul homme. Donc, on peut te dire qu'à cause du péché d'une personne dans ta famille, toute ta famille peut être bloquée. Toute ta famille peut être prise en otage par le diable. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, nous devons porter notre responsabilité en main et nous poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes dans ma famille qui ont contracté des alliances avec le diable? Maintenant, on va lire un passage. Je vais lire un passage avec toi et on va prier. Et on va entrer dans la page de la prophétie. S'il y a des alliances dans ta famille, je vais te le dire tout à l'heure, le Seigneur m'aidera. Il va ouvrir mes yeux pour te parler tout à l'heure. Nous allons briser cela. Et ta vie ne sera plus jamais la même. La grâce de Dieu sera ton partage parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois briller plus que tes frères et tes soeurs. Tu dois être l'espoir de ta famille. Et tout ce que le diable a fait contre ta vie, nous allons anéantir cela. Lorsque tu lis, par exemple, Exode chapitre 34, à partir du verset, le verset 7. On va lire juste un verset, verset 7. La Bible dit, qui conserve, prenons 6 à 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Waouh! Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième
générations. Vous voyez. Il dit d'abord qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Ouais. Qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. C'est vrai que j'aurais aimé vous expliquer ce que ça veut dire en hébreu. Qui pardonne, qui conserve son alliance jusqu'à 1000 générations. Vous devrez comprendre ce que ça veut dire parce que le sens est un peu différent avec le français. Peut-être on reviendra là-dessus. Mais il dit qui pardonne, mais qui punit l'iniquité, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la quatrième, la troisième génération. La troisième, la quatrième génération. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les malédictions générationnelles. Et il dit qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Il parle de l'iniquité. L'iniquité, c'est ça qui est l'alliance maléfique. L'iniquité, c'est l'alliance maléfique. Ça veut dire que, en tant que parent, tu as eu à faire des choses. Tu fréquentes les marabouts, tu as fait des sacrifices de bœufs, de moutons, des coqs. On a égorgé chez les marabouts. Ou bien tu as mené le nom des gens chez les gens pour faire du mal aux gens. En fait, cette malédiction, des enfants vont hériter d'elle. C'est un péché que tu as commis, c'est une alliance que tu as faite et ça fait entrer un hôtel dans ta famille. De ce ça le danger de consulter les marabouts, de poser certains actes dans la vie. Il y a des actes que tu poses, tu en souffres, tes enfants souffrent jusqu'à la quatrième. Ça peut dire qu'il y a des malédictions qui peuvent subsister, serpenter ton arbre généalogique jusqu'à la quatrième génération, donc au moins près de 500 ans. Une malédiction qui subsiste dans ta famille près de 500 ans et traverse les générations. Tes enfants en souffrent, les enfants des enfants souffrent, les enfants des enfants des enfants souffrent jusqu'à la troisième, la quatrième génération. Donc parfois nous écopons des erreurs de nos parents. Je prie Dieu au nom de Jésus que tout péché que tes pères ont eu à faire, tes aïeuls, tes ancêtres, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Seigneur brise le sceau de ce péché dans ta vie ce matin au nom souverain de Jésus et qu'il nous a franchis de cela dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous voyez. Donc la seule chose qui peut briser ces malédictions, c'est quoi? C'est la présence de Jésus-Christ dans une famille. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Lorsque la malédiction générationnelle est brisée, alors l'amour de Dieu peut... Ça dit que c'est 1000 générations, mes amis. C'est près d'un millier, d'années. Donc ça veut dire que c'est l'éternité. En fait, la bénédiction viendra pour toujours dans ta famille. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Or, il pardonne l'iniquité, il pardonne la rébellion, il pardonne le péché. Trois catégories de péchés. Or, nous avons expliqué hier que pour qu'il y ait pardon, il faut confession. D'autant que tu ne confesses pas, il n'y a pas pardon. Donc, lorsque tu as confessé le mal que tu as eu à faire, les alliances maléfiques que tu as contractées, le Seigneur pardonne ton iniquité, ton péché et ta rébellion. Et maintenant, son amour pour toi peut durer jusqu'à 1000 générations, comme une façon de dire éternellement. Son amour pour toi sera éternel. Vous voyez donc que la bénédiction de Dieu est plus forte que sa malédiction en réalité. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut la confession. Voilà pourquoi j'ai dit que tu dois confesser les choses que tu as eu à faire dans le passé, les alliances et les pactes. Fais une conscience, une prise de conscience personnelle ce matin et pose-toi la question de savoir est-ce que je me suis repenti de ces choses-là, est-ce que j'ai abandonné ces voies-là. Et j'ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu dans nos familles ou dans nos églises aujourd'hui, leur vie ne ressemble à rien pour une simple raison. Étant même à l'église, ils continuent encore dans les alliances. Supposons que tu es enfant de Dieu, mais tu continues, tu fais la prostitution, tu fais le poteau. Tu viens dimanche à l'église, vendredi après atmosphère de miracle, tu peux faire le poteau en ville. Mon ami, tu es en train de vendre ton âme au diable. Rien ne peut changer dans ta vie. Donc il faut confesser et en finir. Il faut couper les ponts. Tu dois brûler les ponts après toi. Tu dois mettre un terme entre toi et ton passé. Tu dois être une nouvelle création. Voilà pourquoi la Bible dit « Hoste itis en Christ ». En Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il faut que les choses anciennes passent. Tant que tu n'en as pas fini avec les choses anciennes de ta vie, alors les choses anciennes viendront toujours vers toi. Donc, il faut que les autels, les alliances d'abord, soient annulées par la confession, la déclaration. Il faut que les autels soient brisés. S'il y a des choses qu'on t'avait remises, en tant que pratiquant de la sorcellerie ou bien de marabout, tu viens avec. On brûle ça ce dimanche à l'église et le Seigneur t'apportera la délivrance au nom précieux et souverain de Jésus. Que Dieu te bénisse. Donc c'était un peu ça le message que je voulais partager avec toi. Et là, on va prier. Je veux prier avec toi sérieusement. Seigneur, merci au nom précieux de Jésus. Tous ceux qui ont été lavés un jour dans les maisons des marabouts, Seigneur, je prie pour eux.
qui soit délivré maintenant, dans le nom puissant de Jésus. S'il te plaît, mets ta main sur ton écran. C'est l'heure de la délivrance maintenant. Des témoignages extraordinaires. Quel que soit ce qu'on a mis en toi chez les marabouts, quel que soit ce qu'on a mis, il y a des gens qui sont allés, leurs vies sont devenues pires qu'aujourd'hui, et qu'avant. Ta vie n'a plus aucun sens. On t'a tout enlevé. Le peu de lui-même, la petite flamme qui était, la petite étincelle qui était en toi, le marabout a fini ça par sa sorcellerie. Père, je prie que soient pardonnés nos péchés. Toute personne qui a consulté des marabouts, des alliances maléfiques chez les marabouts dans la sorcellerie, les alliances maléfiques sexuelles. Zamira wa innakrami wa annas palisan sauzali valos. Saint-Esprit, que ta puissance se manifeste maintenant. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang lave ton peuple. Qu'une telle personne soit lavée dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque a égorgé des animaux, a versé le sang et entre dans ces alliances de sang, ces alliances maléfiques, ces alliances sexuelles, etc. Seigneur, je prie pour leur délivrance. Je brise cette alliance dans le nom puissant et souverain de Jésus. Et je proclame la délivrance, la restauration. Que Dieu te relève de ta chute. Que cette malédiction quitte ta vie maintenant. Que ton iniquité soit pardonnée. Que ton péché soit pardonné. Que ta rébellion soit pardonnée. Et que la grâce de Jésus-Christ en cette fin d'année, te restaure. Oui, qu'il te restaure. Que la malédiction de la maison de ton père et de ta mère soit brisée. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Seigneur, accorde la libération totale à ton peuple. Que les maladies qui sont dans nos vies, comme conséquence de ces alliances paternelles, maternelles, Seigneur, que ces maladies disparaissent parce que ces autels sont brisés et ces alliances sont annulées. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je proclame que ta main soit étendue pour guérir ton peuple dans le monde entier, partout où les gens sont connectés. Merci pour ta grâce et merci pour la délivrance. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus. Je vais déjà dire merci. Nous allons entrer dans la page prophétique. Merci à tous ceux qui m'ont écrit inbox hier pour dire merci pour la prophétie, pour confirmer leur prophétie. Et disons merci au Saint-Esprit de leur avoir donné une orientation. Je sais que c'est une grande satisfaction que de connaître ce que Dieu veut de nous. C'est une grande satisfaction. Je bénis Dieu pour cela. Donc ce matin, nous allons ouvrir la page prophétique pendant que le Seigneur restaure ta vie complètement, pendant qu'il guérit complètement ta vie, pendant que le Seigneur te bénit, pendant que le Seigneur t'élève, pendant que le Seigneur agit avec miséricorde dans ta vie et puissance, tu ne seras pas un sujet de honte. Ce n'est pas possible. 2022 sera une année différente. Une année sans malédiction. Oui. Une année sans malédiction. Aucune malédiction ne traversera ton année 2021 pour entrer en 2022. J'interdis cela dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu apportes la délivrance. Saint-Esprit, maintenant, nous voulons passer dans la consultation prophétique, dans l'orientation, le conseil prophétique. Seigneur, parle à quelqu'un, je t'en supplie. Donne une orientation à quelqu'un. Merci pour ceux qui ont été bénis. Seigneur, ils sont des dizaines de milliers à vouloir entendre ta parole. Je prie que maintenant, tu me connectes à eux afin que ta parole soit proclamée avec vérité et justice. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Partage la vidéo, s'il te plaît. Et je voudrais juste te dire que le Seigneur t'aime. Et vous pouvez dire, vous écrivez simplement prophète, je veux une orientation prophétique. Dites dans quel domaine, vous pouvez dire dans le domaine sentimental, la carrière, dans quel domaine vous voulez. Et que la parole de l'Éternel vous soit adressée. C'est important. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous allons entrer dans le domaine prophétique, de conseil d'orientation prophétique. D'accord. Voilà, je veux commencer avec, on a Ange Ornella. Je veux la prophétie d'Adi. Voilà, bonjour Ange Ornella. Que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Déjà, il faut comprendre une chose. Quand j'ai vu Ange Ornella, l'une des premières choses que j'ai vues en vous, et prenez ça très au sérieux, voici 2022 qui est en train de commencer. Une des premières choses que j'ai vues en vous, s'il vous plaît, partageons la vidéo au maximum. L'une des premières choses que j'ai vues en vous, Ornella, c'est le don d'adoratrice de Dieu. C'est-à-dire que j'ai vu le don d'adorer. Vous êtes une louangeuse. Il y a la grâce d'adorer en vous. Vous êtes une psalmiste, en fait. La main de Dieu est sur vous. Et je vous ai vu comme une artiste. Je vois dans ce domaine-là. Donc, ne vous amusez pas avec cela. Et sur le plan sentimental,
Le Seigneur voudrait vous restaurer parce que vous avez perdu confiance en vous-même. En ce moment, je suis en train de parler à cause des... C'est-à-dire, vous n'avez pas eu vraiment d'expérience avec les hommes dans votre vie. Pourquoi? Déception, déception, mépris, mépris, mépris. Vous n'avez jamais été vraiment considéré comme une femme, comme un homme doit considérer une femme. Et cet état de choses vous a amené à perdre confiance en vous-même. Le Seigneur me dit de vous concentrer dans cette adoration, dans l'adoration, et il vous bénira sur le reste des plans de votre vie. Votre clé, c'est l'adoration. Servir le Seigneur dans l'adoration. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais parler à qui? On va parler à qui? Dans quel domaine? Dites-moi dans quel domaine vous voulez connaître la volonté de Dieu pour vous. Daddy, je veux une orientation prophétique sentimentale. Ça, c'est Nathalie Sophie Ngotina. Sophie, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Père, merci pour Sophie. Elle veut une orientation dans sa vie sentimentale. Je prie. Merci, Jésus. Sophie, regardez, Sophie, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez dit que vous voulez une orientation dans votre vie sentimentale. Maintenant, regardez. Quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit, Sophie, il y a quelque chose que vous avez connu, un amour que vous avez connu dans votre jeunesse, avec un jeune homme qu'on appelait Christian. Et ça, c'est un amour perdu. Un amour, un jeune homme que vous aviez beaucoup aimé et qui vous aimait aussi sincèrement. Vous comprenez? Après cette rencontre, vous avez eu beaucoup de déceptions sentimentales jusqu'à cet âge-ci. Vous êtes un peu confuse, vous ne savez pas s'il faut s'engager, s'il ne faut pas s'engager. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Christian est en train de vous chercher. Et alors, je passe quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien. Et il vous appellera. Et vous prendrez la décision que vous voudrez en ce qui concerne votre vie sentimentale. Prenons Merlise Pocam, papa, je veux la prophétie. Seigneur, merci pour Merlise. Au nom souverain de Jésus-Christ. Père, je prie que ta grâce soit dans la vie de Merlise. Que ta grâce. Merlise, écoutez. J'ai vu la maison de votre père et j'ai vu la maison de votre mère. Et j'ai vu beaucoup de coutumes. Il y a beaucoup de coutumes, beaucoup de coutumes. Et même dans la maison de votre père, j'ai vu beaucoup de coutumes. Ça veut dire qu'il y a comme un endroit sacré dans la maison de votre père où il y a une idole qui est adorée. Écoutez-moi bien. Il y a une idole qui est adorée. Je parle de la famille Poukam. Et donc, il y a cette idole-là, une petite maison avec une idole. Ça, anciennement, les gens venaient là-bas pour se recueillir et pour offrir des sacrifices, offrir de l'huile de palme, offrir, verser du sel, etc. C'était comme une petite case avec les crânes d'un ancêtre là-bas. Et cet autel a été à l'origine de vos problèmes. Et laissez-moi vous dire une chose, je pense que c'est la sœur Pocam, si vous avez bonne mémoire, vous vous rendrez compte que à cette époque où vous étiez une jeune femme, à côté de vous, vous aviez un voisin qu'on appelait Sylvain. Et Sylvain, c'était un jeune homme qui s'intéressait beaucoup à vous. Il s'intéressait beaucoup à vous. Mais ici, ce que vous ne saviez pas, c'est que cet homme était une grâce de Dieu pour vous. C'est-à-dire qu'à l'heure, si vous seriez marié depuis longtemps, mais à cause de l'autel dans la maison de votre père, cet autel a été la cause de vos malheurs sur le plan sentimental. Donc, je prie ce matin que le Seigneur brise la puissance de cet autel au nom puissant de Jésus-Christ, et que votre vie soit libérée, que vos frères et vos soeurs soient libérés au nom précieux de Jésus, toute votre famille soit délivrée dans le nom précieux de Jésus. Et à cette époque, vous aviez un oncle que je ne vois plus, qu'on appelait Pas Henri. Pas Henri. Et qui était comme un sacrificateur dans la tradition, faisant ses incantations, étant la porte par laquelle même votre papa est entré dans ces histoires de tradition. Parce que c'est quelque chose qui est générationnel dans votre famille. Je brise cet autel aujourd'hui et je proclame que vous êtes libérés au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2022 sera une année différente pour vous. Voilà. Donc nous avons Bwende Kameni. Bwende Kameni Justine. Elle est où encore? Bwende, papa, je voudrais une orientation prophétique dans le plan sentimental et financier. Voilà. Bwende Kameni, écoutez, laissez-moi vous dire une chose déjà. À partir de 2022, mettez votre confiance au Seigneur. Sur le plan financier, d'abord, le Seigneur vous donnera une grande orientation. Dieu interviendra dans votre vie parce que dans le passé, lorsque vous trouvez le travail, en fait, on veut toujours abuser de vous.
On va abuser de votre personne. Vous comprenez dans quel sens je suis en train de parler? On va abuser de votre personne. Et c'est comme ça que ça a toujours été dans votre vie. Et je prie que le Seigneur vous vienne en aide, qu'il vous délivre. Et pour 2022, je vous ai vu, j'ai vu un enfant à côté. Je ne sais pas ce que ça représente, mais j'ai vu un enfant à côté. Et avec le père, je n'ai pas vu une bonne relation. Donc ça, c'est une image que j'ai vue. Et à vous de savoir ce qu'il faut faire. 2022, mettez votre confiance au Seigneur et Dieu vous aidera. Mais j'ai vu une séparation que vous regrettez. Et j'ai vu la personne revenir en 2022. Et lorsque la personne reviendra, et vous savez de quoi je suis en train de parler, à l'heure où je parle, c'est une séparation qui vous a beaucoup brisé le cœur. Après, elle vous avait une autre séparation, vous avez une autre rencontre, mais votre cœur n'est pas dans la nouvelle rencontre, mais dans la séparation. Donc je prie que le Seigneur vous aide. Parce que 2022, la personne avec laquelle vous êtes séparé reviendra et vous cherchera encore. Et vous saurez quoi faire. Et lorsque ça arrivera, cherchez à rentrer en contact avec moi, s'il vous plaît. Et j'ai vu quelqu'un comme en tenue. J'ai vu un homme en tenue. Malheureusement, je n'ai pas de téléphone de retour ici. Sinon, j'aurais pris personne par personne pour discuter. Mais en commentaire, refusez, s'il vous plaît. J'ai vu quelqu'un, un homme en tenue. J'ai vu un homme en tenue. Et j'ai vu une main maléfique dans cette relation. Je prie que le Seigneur vous en préserve dans le nom souverain de Jésus de Nazareth qui vous garde au nom de Jésus. Vous avez fait beaucoup de mauvais choix dans votre passé, en ce qui concerne votre vie sentimentale. Vous avez beaucoup de regrets dans votre cœur, beaucoup de remords dans votre cœur. Donc, ne vous hâtez plus. Ne vous hâtez plus à prendre des décisions en ce qui concerne la vie sentimentale. Faites confiance au Seigneur et vous verrez ce qui va arriver. Et je veux parler à Leila Hussein, localiste Mouadadi depuis le Niger. Leila. D'accord, Leila Hussein, laissez-moi vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire à cette femme, Seigneur? Vous pleurez beaucoup. Vous pleurez. Vous n'êtes pas satisfaite. Vous n'êtes pas heureuse, Leila. Vous n'êtes pas heureuse. Vous n'êtes pas heureuse. Pas du tout. Vous n'êtes pas heureuse. Je vous ai vu au milieu de deux femmes. J'ai vu une de vos sœurs, qu'on appelle Myriam. Et j'ai vu une de vos amies, qu'on appelle aussi Myriam. Et j'ai vu ces deux femmes à côté de vous. Une sœur, quand je parle de sœur, ça s'appelle votre sœur ou bien votre cousine. Mais qu'on appelle Myriam, vous pouvez écrire, hein, pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez une amie que j'ai vue, Myriam. Hormis ces deux femmes autour de vous, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Vous êtes une femme qui a un grand avenir devant Dieu. Et soyez-en sûr, aucun sorcier n'empêchera votre étoile de briller, Myriam, Leila. Aucun. Et par la grâce de Dieu, je pense, écoutez-moi bien, j'ai vu un monsieur s'approcher de vous, qu'on appelle comme Diouf. Diouf, et vous connaissez cette personne, Diouf. Et j'ai vu cette personne s'approcher de vous. Et j'ai vu en 2022 un rapprochement avec cet homme qu'on appelle Diouf. Et j'ai trouvé en cela quelque chose de bénéfique. Et je le dis encore, Diouf, vous pouvez écrire en commentaire la prophétie. Donc, le Seigneur vous bénira. Et dans la saison où Dieu vous bénira, il bénira Myriam, votre soeur, et Myriam, votre ami en même temps. Et le Seigneur m'a rassuré que votre avenir est assuré dans sa présence. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte. La main de Dieu est sur vous, Leila, et le Seigneur va vous bénir. Et laissez-moi vous poser une question et écrivez-moi en commentaire. J'ai vu un monsieur qu'on appelle Omar, quelqu'un de très bien, et j'ai vu cette personne vous bénir. Hein, Leila, est-ce qu'elle me regarde? Qu'elle m'écrive. Hein, Leila, Omar, c'est qui? Omar. S'il vous plaît, Leila, écrivez-moi en commentaire. Je vais lire votre commentaire en direct. Omar, j'ai vu un monsieur, Omar, dans votre famille. Hein, je l'ai vu, dans votre entourage. Et prophétiquement, ça dit que c'est là, autour de vous, dans la famille, Omar. Et j'ai vu cette personne être une source de bénédiction pour vous. Ouais. Et c'est Leila me suit. Qu'elle m'écrive. Écrivez-moi, Leila, s'il vous plaît. Qu'elle m'écrive, qu'elle me parle. J'ai vu Dieu utiliser Omar pour vous bénir sérieusement en cette année 2022. Que la grâce de Jésus-Christ soit sur vous, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc, Leila, le Seigneur vous restaure sur le plan sentimental. Je vous ai déjà vu avec quelqu'un. Je ne vous ai pas vu désoccupé, je vous ai vu occupé. Je vous ai vu occupé avec quelqu'un. Et je prie pour le bonheur. Que Dieu vous donne le bonheur dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu vous bénisse. On va prendre une autre personne pour une orientation prophétique. On va prendre qui? Ok, d'accord. On va prendre Madeleine Camé. Papa, prophétie pour ma vie sentimentale et académique. La santé de ma mère aussi, d'accord. Père, je prie pour sa maman, que sa maman soit guérie, qu'elle soit restaurée. Dans le nom précieux et souverain de Jésus, Seigneur, je commande qu'à 7 heures, sa mère se lève, qu'elle soit complètement guérie et restaurée. Dans le nom précieux de Jésus, amen. Maintenant, écoutez-moi, Madeleine Camé. Votre vie sentimentale, vous dites que vous voulez que Dieu vous parle dans votre vie sentimentale. Je pense que la semaine prochaine, il y aura un téléphone où on va parler en direct, mais rapidement, il faudra seulement respecter le temps. Dans votre vie sentimentale, je vous ai vu avec quelqu'un, un jeune homme qu'on appelait Armand. Seigneur, merci. Armand. Je ne sais pas si c'était Armand Bassi ou Armand Tassi. Tassi Armand, c'est Bassi Armand. Quelque chose comme ça. Lorsque j'étais encore plus jeune. Et à partir de cette relation, ce que j'ai vu sur cette relation s'est répercuté tout au long de votre vie. C'est-à-dire que vous avez rencontré de bonnes personnes, des personnes qui vous aimaient, mais vous ne savez pas pourquoi ces personnes vous ont toujours quitté. Vous ne savez pas. Parfois, c'est vous-même qui quittez. C'est comme, il y a un esprit de séparation, un esprit de divorce. Ça, c'est ce que je vois clairement, un esprit de divorce. C'est-à-dire, quand on parle d'esprit de divorce, il se manifeste pas seulement après le mariage, mais aussi avant le mariage. Donc, vous ne savez pas pourquoi vous quittez les bonnes personnes, ou vous ne savez pas pourquoi les bonnes personnes vous quittent. Je prie au nom de Jésus que cette malédiction, et je vous dis que cet hôtel a commencé avec l'histoire d'Armand. C'est là que ça a commencé. Ça, c'est où le problème a commencé dans votre vie. Je prie dans le nom sérieux de Jésus-Christ et puissant de Jésus-Christ que vous soyez guéris. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous aviez une amie qu'on appelait Grâce. Je vous ai vu avec une amie qu'on appelait Grâce. Et laissez-moi vous dire une chose. De toutes les personnes que vous avez connues dans votre vie, personne n'a prié pour vous comme cette femme. Et à cause des prières de cette fille et des conseils qu'elle vous a donnés, le Seigneur va ouvrir une porte devant vous et la confusion quitte votre vie. Sur le plan académique, le Seigneur vous bénira. Il y a des orientations que vous attendez. Le Seigneur me dit de vous dire de vous calmer, de rester tranquille. Lui-même est votre Dieu. Lui-même sera votre berger. David a dit Yahvé Rohilo Essar. En hébreu, ça veut dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc Dieu a un plan pour vous. En 2023, tous ceux qui vous ont méprisé viendront vous demander pardon. Notez ça. Dit que ce prophète Carl Ferdinand qui a dit cela. Dans le nom précieux de Jésus. Et vous saurez que la parole de l'Éternel vous a été adressée. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. L'or noir exceptionnel, Saint-Esprit, localise-moi. Papa, je veux la prophétie, s'il vous plaît. D'accord, écoutez ma fille, le Seigneur me dit de vous dire, de vous repentir et de revenir à lui. De revenir sur des voies droites et Dieu vous bénira. Revenez sur des voies droites. Il y a tellement de choses que vous avez eu à faire et c'est des erreurs. Vous regrettez cela, c'est vrai. Même pendant cette émission, vous avez regretté ces choses-là. Revenez au Seigneur, le Seigneur vous rétablira. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui ont contracté des pactes sexuels. Et ça, c'est quelque chose qui vous est arrivé. Et vous connaissez de quoi je suis en train de parler. Les milieux que vous avez fréquentés, les choses que vous avez eu à faire avec vos amis, etc. Donc, prenez la décision ferme de revenir au Seigneur avant que le pire n'arrive. Je dis encore, avant que le pire n'arrive, Dieu qui vous a gardé, vous gardera encore. Si vous revenez à lui, s'il vous plaît, écoutez mon conseil. Abandonnez les mauvaises amitiés, les mauvaises fréquentations. Ça, c'est votre problème principal. Revenez au Seigneur. 2022, dites-vous, je serai une personne différente. Si vous le faites, le Seigneur vous bénira et vous ne le regretterez pas. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, donc partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo au maximum. Vous avez quelqu'un qui a besoin de la parole de l'Éternel, s'il vous plaît. Envoyez-lui cette connexion, envoyez-lui ce lien. Que la personne, dites simplement, je veux la prophétie dans tel domaine de ma vie. Prophète, je veux une orientation. Prophète, je veux une orientation prophétique sur ma spiritualité et mon travail. Là, c'est Sia Beni Drabo. C'est Sia Beni Drabo. D'accord, Sia, que le Seigneur vous bénisse. Oh! Regardez, laissez-moi vous donner une révélation, Sia, parce que vous avez dit une orientation prophétique sur ma spiritualité et mon travail. Sur la spiritualité, je veux revenir déjà sur ça. Je vous vois orienté plus vers un homme de Dieu, Sia Beni. Je vous vois, hein, je ne sais pas dans quel pays vous appelez, mais je vous vois orienté vers un homme de Dieu, vers un homme de Dieu. Ça, c'est votre spiritualité, elle est connectée à un homme de Dieu. Je parle
du mariage à un homme de Dieu. Je parle, je vous vois marié à un homme de Dieu, je vous vois servir le Seigneur avec votre mari. Donc, et je vous vois diriger un ministère. Ça ne joue pas avec. C'est une parole certaine qui s'accomplira. Je veux une relation prophétique sur ma spiritualité et mon travail. En ce qui concerne le travail, l'Éternel vous bénira dans son service plus que dans votre carrière. Et vous verrez ces choses-là s'accomplir. Et vous comprendrez que la parole de l'Éternel est certaine. Et vous savez au fond de vous que le Seigneur vous a mis à part pour le servir. Et laissez la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie, s'il vous plaît. Ne résistez pas à la vocation divine. Ne résistez pas. Hein? Ne résistez pas. Je parle à Sia Béni. Voilà. Je parle à Sia Béni. Que Dieu vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci pour ta grâce au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Regardons ici. Bonjour, prophète. Qu'est-ce que... Là, c'est Chris Opango. Bonjour, prophète. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit sur moi et ma famille pour 2022? C'est Chris Opango. D'accord. Bien-aimé, il faut savoir déjà que la main de Dieu est sur vous. Chris Opango, je vous vois servir le Seigneur. Je vous vois comme étant l'étoile de votre famille, comme celui à qui Dieu a remis une clé. Mais je vous vois servir Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà serviteur de Dieu, si vous aspirez à servir le Seigneur, mais je vous vois servir le Seigneur. Et à travers cette voie, le Seigneur apportera la restauration à votre famille. Parce que dans votre famille actuellement, où je suis en train de parler, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de personne qu'on puisse dire, dont on puisse se vanter aussi que voilà, on a tel grand dans la famille, on a telle personne que Dieu a élevée. Non. Dans votre famille, les liens sont puissants. Et il faut quelqu'un qui consacre sa vie à Christ pour briser ces liens. Et c'est vous. Ça ne joue pas avec. Et c'est vous. Et vous savez que ce que je dis est vrai. Donc, abandonnez tout ce que vous faites. Consacrez-vous à la vocation divine. Demandez au Seigneur Jésus, Seigneur, parle-moi. Dieu vous parlera. Il vous a même déjà parlé. Je ne vous connais pas. Mais le Seigneur vous a déjà parlé. Vous pouvez confirmer la prophétie en commentaire, tout simplement. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es vivant, que ton nom soit glorifié au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit ton partage au nom précieux de Jésus. Et s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, partage cette vidéo. Parce que pendant que je parle seulement, les portes fermées s'ouvrent dans ta vie. Les liens maléfiques sont brisés. Les alliances diaboliques sont déchirées. Le Seigneur te bénit. Dieu te bénit. Le Seigneur t'élève. Le Seigneur te redonne la joie pour 2022. Je bénis ton année 2022 dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je prie que la grâce t'accompagnera, la longévité, le succès, la réussite dans toutes tes voies parce que Dieu vient de détruire les autels maléfiques et d'anéantir les alliances que tu as eu à faire, que tes parents ont eu à faire, au nom précieux et souverain de Jésus. Père, merci pour cette grande restauration que tu donnes à tout le monde connecté et à tous ceux qui suivront après. Seigneur, quiconque sera connecté. Voilà, on a Chris Opango qui confirme la prophétie. Oui, Daddy, c'est vrai, je confirme la prophétie. D'accord, que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia, l'Éternel. Voilà, donc confirmez la prophétie s'il vous plaît, tout simplement. Si ce qu'on dit, on vous a dit est vrai, confirmez la prophétie. Oh, Seigneur, merci pour la guérison. La guérison. Tout malade est guéri. Je prophétise que tu n'entreras pas en 2022 avec cette maladie. Sois guéri. Lève-toi et sois en santé. Lève-toi et sois en santé. Lève-toi et sois en santé. Tes affaires sont guéries. Tes projets sont guéris. Ce chantier que tu as commencé depuis des années que tu n'as pas achevé, je déclare qu'avant la moitié de l'année prochaine, tu vas habiter ta maison. Sois délivré, sois béni, sois élevé, sois distingué dans tout ce que tu auras à faire. Que la main puissante de Dieu soit sur ta vie. La bénédiction de l'Éternel te gardera, elle te préservera. Quiconque mettra la main contre toi, l'Éternel mettra sa main contre cette personne. Tes ennemis n'auront plus de succès sur ta vie,
mais l'Éternel te fera briller. Et ceux qui se sont moqués de toi reviendront te demander pardon à genoux. Si tu dis amen, cette prophétie t'accompagnera tous les jours de ta vie et sera gardien des portes de ta vie. Que Dieu te bénisse. On a Bwende Kameni qui dit, je confirme la prophétie. Oh, gloire à Dieu. Elle a écrit, oui, c'est Bwende Kameni Justine. Papa, je confirme ma prophétie. Merci, papa. Longue vie à vous. Amen. Oh, ça, c'est beau, ça. Ma joie, c'est de savoir que vous êtes heureux. Vraiment, si tu peux avoir la joie dans ton cœur, parce que Dieu t'a parlé et que maintenant, tu n'es plus dans l'obscurité et tu sais désormais ce qu'il faut faire, ce que Dieu voulait de toi et que ta vie est éclairée par cette parole. Mes amis, il n'y a pas une grande récompense plus que celle-là pour un homme de Dieu comme moi. Moi, ma joie, c'est de savoir que vous êtes servi et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et ça, c'est la manière dont nous allons travailler en 2022. 2022, vraiment, nous allons parler de la part de l'Éternel dans vos vies et Dieu te donnera une orientation. Ça, c'est encore qui? Même la maison où il y a le crâne pour verser l'huile et le sel. Voilà quelqu'un aussi qui confirme la prophétie. J'ai parlé tout à l'heure d'une maison où il y avait le crâne avec l'huile et le sel. Et la personne est en train de témoigner que c'est vrai. Même la maison où il y a le crâne pour verser l'huile et le sel. Gloire à Jésus. Nous disons amen à cela. Amen. Amen. Ça, c'est bien. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est vrai. Béni soit son nom pour l'éternité. Que ta journée soit bénie au nom précieux de Jésus. S'il te plaît, tu crois en ce ministère que je porte. Partage cette vidéo et reçois ta guérison. Partage la vidéo aussi. Partage dans tous tes groupes et dis, Seigneur, j'ai fait ce que je devrais faire. Maintenant, bénis-moi et tu verras. On a un autre témoignage ici. Ça, c'est Ike, Chris. Papa, je confirme ma prophétie par anticipation. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Que ton nom soit béni dans nos vies au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous lundi dès qu'il sera 10h. Nous nous revoyons tout à l'heure. Tout à l'heure à partir de 17h en direct du côté de la Bire en Kouaban, Yaoundé. Tout à l'heure, je t'attends. Comme tu viens, que la main de Dieu soit sur toi abondamment au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Connectons-nous massivement. C'est une soirée de délivrance et Dieu agira dans nos vies avec puissance. Bonne année 2022 par anticipation. Et nous nous préparons pour l'Exodus Night ce 31 décembre. 31 décembre. Voilà, Chris Opango. Amen, Daddy, tout ce que vous avez dit, 100% est vrai. Merci. Donc, le 31 décembre, toute notre délégation, Garoua, Ngaoundéré, toutes les églises, je vous attends à Yaoundé pour passer une nuit dans la présence de Dieu. Et si quelqu'un vous envoie une amitié sur Facebook, ce n'est pas moi. Quelqu'un vous dit que vous envoyez l'argent pour vous expédier l'huile ou bien n'importe quoi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Nous ne faisons pas cela. Je n'envoie pas les demandes d'amitié aux gens. Donc faites attention. Je ne donne pas les prophéties aux gens sur Facebook, sur Messenger, en inbox. Non. Je parle en public ici. Donc si après, quelqu'un vous contacte au nom du prophète Kane Ferdinand, ce n'est pas moi. Parce que ça finira par vous demander toujours l'argent. Donc tous ceux qui vous demandent l'argent en ligne, méfiez-vous et passez l'annonce autour de vous. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs qui ont fait des faux comptes en mon nom pour arnaquer les gens. Donc, méfiez-vous, soyez prudents. Fiez-vous simplement à mes directs où je suis là, où vous me voyez en direct. Et les numéros que moi-même je donne de ma propre bouche, c'est les seuls numéros par lesquels vous devez communiquer avec moi. Si je n'ai pas donné un numéro, méfiez-vous. Mais sachez que tous ceux qui vous demandent de l'argent, ça c'est le signe qui montre que ce n'est pas moi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut. Et non en bas, cette maladie libère ta vie et ton corps. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison maintenant. Et tu rendras ton témoignage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.